Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, un épisode construction, chers amis. Et donc, je vais de toute façon essayer de modéliser un robot qu'on a pu voir dans une game un peu plus tôt dans la semaine, normalement. En tout cas, dans l'épisode précédent. On va essayer de voir si oui ou non j'arrive à le refaire correctement. Ça, ce serait vraiment une bonne chose. Donc, on part donc sur un principe où j'aurai, voilà, là je suis au centre, ce genre de cube. Ok, c'est pour ça que j'ai fait la forme centrale, en fait c'est la forme qu'il avait au niveau de son robot qui correspond en fait plutôt à un lance-missile. Je ne veux pas placer de lance-missile dessus par contre sur le mien, je vais éviter. Vu que j'ai vu son robot en action, je sais plus ou moins ce qu'il lui manque, enfin ce que je mettrais moi à sa place. Plutôt que de dire ce qu'il manque, parce qu'il est sans doute meilleur que moi en construction, hein, soyons honnêtes. Et donc voilà, il manque un cran ici. Ce qui veut dire que je peux l'augmenter encore d'une taille. Hop. Hop. Ce qui fait donc 2 de plus partout, ok. Ok, voilà, ça c'est bon. Je vais couper tout ça. Hop. Parce que pour l'instant, ce n'est pas utile. Ok. Ce qui serait utile cependant, serait d'avoir le nombre total de blocs. Donc, 1, 2, 3 de chaque côté plus un bloc central. 1, 2, 3, un bloc central. 1, 2, 3. Et normalement, là, on est bon. Hop. Crac. Donc normalement là sur les surfaces, pardon, pas extérieures, mais sur les surfaces profil, du profil entre guillemets, ouais. Sur les profils simplement, hein. Nous sommes normalement bon niveau dimension. Enfin de moi, ce que j'en penserais. Hop. C'est-à-dire en mettant, voilà, le cube comme ça. Ok. Donc écoutez, moi jusque là ça ne me dérange pas, hein. On verra sur les formes exactes un peu plus tard, cela dit, hein, je vous rappelle que nous devons le faire voler, ce qui risque d'être assez compliqué. Je vais pas vous mentir, moi personnellement j'ai des doutes, mais bon, on verra, on verra, on verra. Du coup je pense que je vais refermer le cube sur le principe où, voilà. Hop, de cette manière. Et donc je pense que maintenant on est bon pour partir à une réflexion sur nos hélices. Hop. Pour le faire voler comme un hélicoptère. Ok. Ok. Donc déjà avant tout. Au niveau de ces hélices, normalement elles ont un point mort si je me trompe pas. Qui veut dire qu'il faudra qu'on réussisse à avoir, donc j'aurais, ouais, j'ai mal géré mon truc, il aurait fallu que je le mette là, la ligne, hop, voilà, et ici, puisqu'en fait, nous allons tenter de les placer au plus près. Il faut que je mette aussi un point là, et un point là, ok, et donc je coupe cette ligne là, hop. Hop, voilà, c'est bon. Les fameuses hélices, les grosses, hein, je pense que ça va partir sur les grosses, ça va être mieux. Donc je ne peux les placer qu'à partir d'ici. Hein, je devrais être en mesure de pouvoir placer les deux. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc, ce qui m'en fait un total que de 2. Hein, donc je sais pas si ça va être suffisant, à vrai dire. Hop. Ok. Donc oui, c'est le point limite, entre guillemets, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'hélice peut toucher la partie. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on peut en fait bidouiller un petit peu. Pardon, excusez-moi. Bidouiller un petit peu ce truc-là. Et vous allez voir comment tout de suite. Alors déjà, je voudrais voir si je peux
Merde, c'est passé tout à l'heure ici, non? Ouais, c'est passé. Et du coup, est-ce que la petite, je peux la mettre tout le temps ou... Je peux la mettre dès cet endroit-là. Je peux pas en mettre une deuxième, j'imagine. Non, d'accord. Donc est-ce que je peux pas en mettre tout simplement une troisième grosse et puis on verra ensuite. Donc là, ça ne veut plus. Et donc si je la place sur un gros cube... Merde, c'est pas là que je visais. Enfin, c'est là que je visais, justement. Si, justement. Bon, bah, je peux rien dire. Mais... Donc si je vire ces trois cubes là, je peux la mettre ici, d'accord. Ok, et là c'est là que c'est un petit peu tricky, si vous allez voir. Je peux mettre normalement une longue ici. Voilà. Ah non, il veut pas la passer, tiens donc. D'accord. Ah, j'aurais juré qu'elle passait vu qu'en fait la petite ici elle passe. Vous voyez? Ah. Alors là, là ça m'embête un petit peu. Pas vous mentir, ça m'embête un petit peu. Parce que j'étais bien content de pouvoir la placer celle-ci. Soyons honnêtes, j'étais bien content de pouvoir la placer. Hop. Puis ça changera rien, je présume, si je la fais passer sur l'extérieur. Hop. Exact. Bon bah tant pis. Moi qui étais partant pour... une troisième hélice, et eh bien écoutez, j'aime la laisser là où elle est. L'hélice, hein, je parle bien sûr. Sauf si je pars sur le principe que je peux peut-être en mettre une. Alors, attendez, j'ai combien de points là? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 3, 4, 5, 6. Donc si je devais placer quelque chose, ce serait là-dessus. Sur ce truc là, si je puis dire, cette rangée là. Donc ça par exemple c'est pas bon. Pour que ce soit joli aussi en même temps, hein. Moi je pensais que ce soit toujours joli, chers amis. Hop, mais bon, on va essayer de voir autrement. Hop. Hop. Ok, bon. Et donc si je place est toute petite. On place une ici, deux ici, de chaque côté. D'accord. Il ne veut pas dire que je peux en placer au-dessus, j'imagine. Ouais, dommage. C'est vraiment dommage, ça aurait été très joli ça. Sauf si... Sauf si... Et là, je prie pour que ça marche. Oui! Ça marche. Ça passe. Ok. Parfait. Manque plus que ça passe ici. Et ça passe. Génial. Absolument génial. Je suis génial, chers amis. Bon, ben oui, du coup, je peux enlever ça. Et normalement, là, ça devrait voler impec. Là, ça devrait voler véritablement impec. Bon. Autant rendre la chose le plus solide possible, je pense, hein. Hop. Ok. D'accord. Bon, bon, bon. Jusque là, ça me semble pas trop mal. Donc, ouverte vers le bas. Hop, voilà. Est-ce que c'est vraiment utile de faire un gros truc comme ça? Est-ce que, d'ailleurs, je peux pas l'entourer avec une... Ah, il l'accepte. Hop. Il l'accepte. Donc pour moi c'est un beau geste.
Hop, voilà. Hop. Et hop. Le jeu accepte, donc j'en profite. Hop. Et donc ici, je place un rond ou un... Je place un rond alors. Hop. Crac. Crac. Et il me semble que c'est pas ici, voilà. Crac. Hop. Et nous y voilà. On peut placer enfin ce petit rond. Ok. Ça c'est fait. Bon. L'avantage c'est qu'on devrait être en mesure de pouvoir voler tranquillement. Et je pense que rendre ça le plus solide possible serait peut-être pas une mauvaise idée. Ok. Ok. Donc, est-ce que tu voles toujours comme ça? C'est comme ça qu'on va voir, hein. C'est en faisant les tests qu'on va le savoir, chers amis. Hein. Bon. Bon. Est-ce que tu voles toujours droit? T'en chies un peu, peut-être, mais tu voles toujours droit, c'est parfait. C'est parfait. En plus, c'est joli à regarder, donc c'est cool. Boum, 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 boum. Ah, par contre, je peux tirer que 4 fois. Donc, vous savez ce qu'il va nous falloir. Il va nous falloir un booster. Booster, je ne sais plus sur quoi on l'a mis, d'ailleurs. Ça, ça pue. Ah, je crois qu'il est dans le... Mince, je crois qu'il est dans le... Ah non, il est là, on a un power booster ici, parfait. Presque 2, ça aura presque été mieux. Par contre, oui, on aurait pété le... On aurait pété le... Comment le... Le nombre de flops. C'est pas grave. Ok. J'essaie de voir un petit truc, hein. Ok. C'est parfait. Ici, je peux donc mettre normalement ces cubes-ci. Voilà. Hop. Pouvoir en placer un normalement ici. Voilà, c'est bon. De ce côté-là, ça se passe plutôt bien. Ok. Ok. Passera pas, donc c'est pas grave. Hop. Et ici, est-ce qu'il passe le petit? Oui, il me semble que oui, on l'a vu tout de suite. Hein. On va le mettre alors, c'est pas grave. Hop. On referme ça. Hop. Ici, j'aimerais légèrement modifier ça. C'est visuel, encore une fois, c'est de l'aspect visuel. Hop. Voilà. Crac. Je peux même le faire là aussi, hein. Ici, justement, je vais mettre ce gros truc-là. Hop. Ici, je peux donc remettre, comme de l'autre côté, hop, tout ceci. Crac. Hop, voilà. Alors. Ce n'est pas fini, hein, chers amis, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Crac. Hop, c'est bon. Ok. Alors. Comme à l'avant. Comme sur les côtés, pardon. Hop. On prolonge un petit peu ceci. Pourquoi tu m'affiches le truc alors que ça veut rien dire, ton machin? Vu que ça dérange personne.
Ok. Alors. Ici. On peut garder le truc ouvert. Hein. Enfin, pas ouvert à l'intérieur, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est simplement pour y mettre un petit peu de propulsion. Je pense que ça nous fera pas de mal. Et donc, il faudra trouver les bons. Hop. Est-ce que je peux pas en placer un central? Non. Dommage. Ok, ça va être compliqué de les mettre. Hein. Hop. Voilà. Nathanos CPU, donc c'est pas bon. Hop, voilà, faut qu'on puisse refermer quand même un minimum. Crac. Oui, mais c'est pas bon, là. C'est pas le bon emplacement non plus ici. Crac. Mais non, c'est pas bon. Ah oui, c'est bon. Je crois que je me souviens comment il faut la placer, ce truc-là. Voilà. Et ça referme entièrement. Crac. Hop. Je vais peut-être mettre un truc aussi ici aussi. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Hop. Combien qu'il me reste de flop? Pas beaucoup. On essaye donc de le remplir un maximum. Ah, il faut que je remette des cubes comme ça, j'imagine. Voilà. On va essayer de refaire ce qu'on a fait ici. De l'autre côté. Là, ce qui me fait penser qu'on n'a même pas fait l'arrière comme il faut. Est-ce qu'on fait l'arrière comme il faut? Oui. Oui, je fais l'arrière avant de faire le reste, hein, c'est logique. Hop. Il nous reste donc un cube à mettre, ce qui n'est pas bon. En règle générale, ce n'est pas bon. Ok. Hop. Comment je vais régler ce problème? Comment je vais régler ce problème? Bon. De toute façon, faudra attendre qu'on ait plus de flops, hein, apparemment. Nathanos CPU, level up your bot. Bah écoute. On va attendre pour ça. Hein. Hop, on va attendre pour ça. Et on verra bien ce que ça donne au niveau du robot, hein, tout simplement. Par contre, je les ai pas centrés du coup, c'est ça? C'est ça le beans? Effectivement, je les ai pas centrés. Ce qui veut dire qu'ici, je me suis peut-être fait chier pour rien. Oui. Oui, c'est ce que le jeu est en train de me dire, je me suis fait chier pour rien. D'accord. Bon. Hop. Crac. Ça va être short. Hein. Ah bah ça va être tout juste, regardez. Hop. Voilà, je peux pas en mettre plus. Bon. Bon. Est-ce qu'ils volent toujours? Maintenant qu'on a un petit peu rempli l'avant. C'est ça qui m'inquiète. Ils volent toujours. Ok. Donc il m'a mis à tirer un cinquième coup dans la salve en fait. D'accord. On verra bien si oui ou non c'est efficace. Hein. En tout cas il est sympa de devant je trouve. Il est sympa de devant. Ok. Eh bien écoutez chers amis, du coup on le testera dans un prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On va trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo.
On peut le voir du garage, s'il vous plaît? Ouais, il est pas moche, honnêtement, je trouve pas moche, hein. Allez, salut!